Ouais. Bon, allez, c'est parti. La Rowan va peut-être prendre feu parce qu'on a eu un pépin sur le ventilo. Attends, je tire à côté, à mort d'un côté maintenant. Sur le ventilo, on a un problème. Mais ce qu'on sait pas, c'est est-ce que ça a endommagé le vario ou non. Il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de continuer à rouler, d'insister jusqu'au pouf. Après, tout ce qu'il faut, c'est intervenir rapidement quand ça fait pouf. Je vais rester près de la félonie au cas où. Colis piégé. Ah, mais là, une fois que tu l'as dans le nez, l'odeur, c'est mort, hein. L'odeur de brûler, le reste, c'est dingue. Hein. Ouais, arrête de paniquer, c'est parti. C'est le reste de l'odeur. Regarde. Hein? Non, non. Tu vois, parce que mon bec, il fonctionne. Le ventilo, c'est sûr, avec cette météo, je crains rien. Ah ouais, moi ouais, j'en ai plein là, mettons. Après, c'est à cuicrun, je suis pas inquiet. Parce qu'à mes avis, quand on fait du tout terrain avec la boue et tout, il n'est pas tout le temps non plus en train de fonctionner ce ventilo. Ah, là, c'est sûr. Je vais demander comment ça va faire pour pas prendre tout. Ah, moi aussi. Je suis arrivé avec le moyen, je suis arrivé quelques fois en coupure. Hein. C'est d'ailleurs le seul où je suis arrivé en coupure. Oh, celle-là était belle. Et hein, je te chenouffe un peu la vie. Ouais, ça fume, t'as mis. Ouais, ouais, c'est un effet fumé. J'ai durci un peu les amorteaux derrière, elle est un peu trop haut derrière, mais ça se comporte mieux, on dirait. C'est bon? Ouais, ça resserre là-bas, faut se méfier. Hein. Ah, t'as accéléré moins fort que prévu. Je peux pas accélérer plus, je pars pas direct. Ah oui, c'est pas grave, je vais bien. Oh, c'est pas très grave. Ouais, il était juste là, là. Non, là, là. Non, là. Là, il était. Si, parce qu'on faisait le grand virage, là. Ramène-le. Sinon, là, on s'approche du truc, là, c'est un peu... Ben c'est bien, tu vois, maintenant qu'il manque un arbre là pour le gymkhana, c'est bien parce qu'on mettra les petites rampes et on pourra franchir. Ouais, des petites gymkhana, faudra qu'on se refasse. C'est sympa quand même. Ah, j'en ai envie. Ah ouais. Ouais, c'est bon, tu fais 2 mètres presque. Il y a eu le problème. Ah, ça c'est une bonne excuse quand il vient de dire 1m50, c'est bon, je fais 1m80. C'est la discrimination vers les nains. C'est quoi cette histoire? Enfin non, c'est de la discrimination positive. Puisque c'est maximum 1m50. Ah non, c'est minimum. Minimum, ouais, effectivement. Ouais, c'est minimum. Ouais. Donc les petits n'ont plus le droit de sortir. Ah, c'est vrai que l'odeur, elle persiste quand même. Hein. Ouais. Là, tu le ventiles quand même bien. Ouais, ouais, mais je crois... ouais, mais c'est le ventilo. En fait, tant que ça bourre, ça pue. Hein. J'ai un vario qui avait cramé, je l'ai laissé, ou un truc, je sais plus à qui c'était. J'ai laissé un an dehors. À la fin de l'année, ça puait toujours. Ouais. Ce qui avait marché, c'était le truc sur les MCD, tu sais, qu'on avait les condensateurs qui avaient pété. Le nettoyant jante. Ça, ça avait gommé tout. Nettoyant jante. Ouais, le nettoyant jante sur le plastique et l'alu, tu sais, qui avait pris la fumée, qui pue à mort, et ben ça avait tout enlevé.
Ah, ça, on pourrait imposer nous, ce Gymkhana, les certains virages où t'es obligé de faire une. Oh, ouais, exactement. Si tu pouvais juste le faire loin du trottoir. Ah, je ferais pas avec la Polonie. Comment ça, elle est faite pour c'est street bash. Ouais, maintenant, comme le ventilo il a pris feu à la moindre coupure de la voiture, tu vas pas savoir ce que c'est. Non, surtout bien penser à garder la caméra en ligne, c'est ça surtout. Parce que faut dire que pour la Rowan ça me fera pas mal. C'est EDF qui l'a payé. C'est les 10% de plus sur la facture. Eh, c'est vrai, en plus c'est les bleus et machin. C'est vrai, faut que j'appelle Alex. Faut qu'il me fasse des stickers EDF Enedis. Linky. Voilà, on a trouvé le nom de la voiture. Elle s'appelle Linky. Grâce au Linky, j'ai économisé l'argent pour m'acheter cette voiture. Boum, 1 euro. Ah ouais, enfin là, t'as pris l'avance depuis longtemps, de toute façon. Ouais, je compte plus, là. T'as fait un massacre. Il y a un peu moins de flotte quand même, hein. Ouais. J'arrive à mettre plus de gaz sorti virage là. Avant de partir en caouette totale. Dit-il en partant en caouette. Ah, ça, ça loupe pas. À chaque fois ça. C'est l'effet, t'as trop parlé. Bon, je fais jamais d'accident. Ah, c'est réglé. Adios Coralie. Ah, il y en a un qui m'a dit que c'est parti en live sur un live à Tony. Il a fait une interview avec Stephen Engelen et il y a un gars qui a sorti que les fusées, les porte-fusées Coralie, c'est tous les mêmes sur toute la gamme. Alors que sur le Dementor, Jambon et Chronos, ils sont plus larges. C'est comme chez Arma, t'as des porte-fusées et là de 2 cm plus larges pour que les roulements soient plus alignés et du coup t'as des fusées plus larges. Nous, il y a 20 ans. Et ouais, et le gars, il a insisté là-dessus. Stéphane lui a dit non, c'est quand même mes voitures, c'est moi le patron, je sais ce que je raconte. Et ils ont commencé à se prendre le chou. Ah, c'est moche, hein. Ah, surtout d'un mec qui a pas toutes les voitures. Tu vois ? Le gars, il en a même pas une, c'est de Coralie, ou peut-être une, et après il te sort, c'est pas vrai, c'est les mêmes. C'est du grand n'importe quoi quand même. En plus, il y a bien un patron qui connaît sa machine, c'est bien Stephen. Tu vois ? Le big boss Horizon B, à mon avis, il connaît pas tous les modèles. Tu vois, ou Trac, ouais, si, Traclas, il connaît les deux frangins, c'est sûr. Chez Funtech, ça savait non plus pas qu'il y avait un dual ride sur la radio. Hein? Ah, ils ont bien dit, il faut appuyer sur le bouton, non? Donc c'est bien qu'ils ne savaient pas. Ouais, d'accord. Hop, j'ai fait mon petit demi-tour. Oh yo, là j'ai serré les dents, je peux te le dire. Oh, j'ai lâché au dernier moment pour mettre un petit coup de volant encore. Oh. Ça c'était beau ça. Oh. Ah mais t'as l'espèce, c'est vrai qu'avec le capteur aussi le moteur dès qu'il bloque ça relâche. C'est ça aussi le wou. Le capteur. Oui. T'as un... Ah non, t'as pas de capteur, toi t'as pas le capteur. T'as vu quand tu freines, une espèce de gnou 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 gnou. Ah mais au moins c'est efficace. Oh, oh. Ah, j'ai un peu loupé. Il y a un petit S là, hein. Ah. Mais j'ai fait S avec les pneus. Ouais.
Bon, le premier pack c'était découverte, le deuxième on commence à agresser, le troisième. Oh, oh. C'est pas qu'en fait on a l'impression de taquer un moins parce qu'on agresse un peu plus. Ah, ça c'était beau ça! C'est juste là-bas qu'il faut pas qu'on se touche. Parce qu'il n'y a pas de marge là-bas. Ouais. L'avantage quand il fait froid, on bouffe pas de pneus. Moi j'aime bien. Ouais. Je savais pas à quelle vitesse t'arrivais, je me suis dit un taillot de l'autre côté. C'est ça. Là-bas, il faut qu'on. En fait, avec la craie, il faut qu'on fasse une trace au sol pour qu'on ait une mire. Ce serait bien, n'empêche, ici, le complexe RC Garage, tu vois. Là, tu aurais les écuries, hein, les trucs indoor pour les petits, les 1,14, 1,18, tout ça, crawler, bidule, piste indoor, là, outdoor, là-bas, tout terrain. Ouais, mais on s'en fout, on aurait le bulldozer pour faire l'état. Si c'est tout un complexe, tu t'en fous. Ah. Ouais, ça c'était moi il y a 30 ans. Et tu faisais toujours comme si tu passais les vitesses. Mais t'avais pas de vitesse. Par contre, ça c'est sympa, hein. J'ai vu les scooters électriques et les machins là, la vache, hein. ça c'est cool. Hein. Les jeunes de nos jours, ils s'imaginent pas la beauté technologique qu'ils ont sous le cul. Hein. Bah, surtout que c'est compact. Tu vois, en scooter électro, t'es moins compact qu'en thermique. T'es plus compact, ils peuvent faire une structure, ils peuvent faire comme ils veulent la structure. La batterie fait dans le cadre, t'as juste le moteur dans la roue. Donc après, t'as juste une chaise et un guidon. Tu peux lui donner le look que tu veux. Ceux qui veulent un look. Scooter, il faut un look scooter, tu peux faire une banane roulante. Ouais, rétrofit. Je vais peut-être m'y mettre. Acheter quelques TP Power 1000 XL. 20 chevaux le moteur, ça va. Ouais. Récupérer une 103, mettre les batteries dans le réservoir. On fait une accumulation comme chez Tesla. C'est que les CR2020 là, ou je sais pas quoi ça. Ah, hein, je te déconcentre, on va pas. Oh, ça chemoute plus là, si. Ça chemoute encore. Mais il peut plus brûler, je l'ai débranché. Ouais, mais ça sent encore. Je suis content que c'était que le ventilo. Pour l'instant. Pour l'instant, hein. Hop 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 hop. J'ai vu une pique. C'est vraiment 50 cm par terre, mais je ne peux pas le tracer avec le plaie. Hop, je suis dans mon sens. Je vais faire ça au prochain tour. Je vais arriver, je vais juste bloquer les roues. À l'intercone, là, je bloque les roues, je regarde où j'arrive et j'avise. Bah, pas trop les pneus refroidis. C'est ça. Ah. Regarde pas ce que je fais, regarde où t'es toi. Moi, je me suis mis derrière le pneu. Surtout quand t'es vers les potales là. C'est sûr que. Oh, oh putain, je me voyais déjà dans le potard. Allez hop, cours, Forest. Quoi ouais, papy. Je t'accompagne, hein. Ça t'es pas tout seul, papy. Attention là-bas. Hein. Joli. C'est vrai que notre ligne droite est dangereuse parce que si on fait une touchette, on s'expédie direct dans les poteaux ou dans les vitrines. Bon, pour le constat, ouais, ça va être chaud. Je rentre avec la voiture dans la vitrine. Quoi? Ouais, miniature. Oh. Hein, j'ai une grosse plaque de plexi à la maison, mais du scotch, on dit rien. Écoutez, j'ai vu ça par hasard, je me suis dit j'interviens.
Ah, c'est là, merde. Comme si tu dis, hein, il y a quand même sacrée place. Ouais, oui, justement, ouais, c'est énorme. Au. C'est vrai que ça se resserre méchant là-bas quand même. Ouais, mais c'est rigolo. Ça fait qu'on y va un peu mollo sur la ligne droite. Ah, ça c'était vilain. Pas gentil, Mali. Bah, moi j'ai gardé mon sens, hein. Enfin mon... ma ligne. Hein. J'ai fait attention, hein. Ça y est, ça commence. Eh, hey, c'est pas encore le troisième pack. Tu vas te détendre. Pourquoi tu zigzags, Poppy? T'as mis l'ABS sur le volant au lieu de sur les freins. T'as encore fait régler chez RMT. C'est ça. C'est Funtech, ils ont fait une poupée vaudou. Ils sont en train de piquer dedans comme des malades. Là. Cram, cram, cram. C'est comme dans The Crow, ils sont en train de danser. Faut que ça crame, faut que ça crame. Oh là 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 là. Où t'es parti toi? Je voulais pas lâcher la terre. Ah là on a un bon angle de vue. On a tout fini de mieux. Ouais, c'est moi. Hein, de quoi? De quoi? Un roulement qui filme de mieux. Ah ouais, c'est possible. N'écoute pas, je suis concentré. J'essaie de rester roue dans les roues avec Ravouille. Il sort leur ferme. Oh, voilà, voilà. Toute la vidéo capoute. C'est tout foutu, Yetz, la vidéo. On fera du Photoshop. Alors, cuisinez-la, action, Terragno, vous avez 3, Helium, 5, 6, 7, 8 euros. Hein? Non, mais lui, il est trop fort. Hey, mais il clignote en plus. Ah, c'est parce qu'on filme en fait. Parce qu'on a les caméras, du coup, il arrive tout cool, il est clignotant. Regarde-les, regarde-les. Ah, il... C'est Kékette qui conduit, c'est pas Kéké. En plus. Ah oui. Ah, je pense que... Moi j'aurais bien aimé qu'ils accèdent juste au moment où la gendarmerie sort sous le plaire haute. Et accident en plus avec la gendarmerie blanc. Oh oh. Ah ouais, ah ouais. Non mais c'est pas mieux de toute façon, hein. Je veux dire là c'est les jeunes, mais quand je suis venu, c'est comme pour pas que la voiture fasse juste un kilomètre, je suis allé à Merchnerbach et je suis revenu. Il y a un petit vieux, il s'est arrêté et il déchargeait ses déchets de côté sur le bas-côté. Ouais, ouais, c'est au niveau de la zone industrielle. Ah bah il y a un petit pré en face, il s'est arrêté et puis il a rempli ses trucs. Enfin, je me suis arrêté, j'ai regardé, il fait bonjour. Vous pouvez remettre dans le coffre s'il vous plaît. J'ai sorti le téléphone, j'ai fait semblant de filmer. Tu vois, c'est pas mieux. Et le pire, c'est qu'il est parti vers Schlierbach. Donc le mec, il se tape 5 km pour venir larguer ses déchets dans le pré. C'est quand même balèze, quoi. Et puis après la retraite, t'avais le temps d'aller samedi à la déchette. Là, j'ai fait un joli frifouille. Bon, c'est pas ça, j'ai un félonie à rattraper. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai continué le tour, moi. Ah, nice.
Oh. Un prochain coup, on fera la ligne droite ici. Ça, ça. Parce que là, il y a de quoi faire quand même. Si on prend le virage là, on accélère jusqu'à la sucette. Ouais, on repasse dans le parking. Ouais, mais moi, c'est trop fort. Je me suis mis en dessous. Je dis, oh, c'est cool, tu vois. Moi, là, c'est un peu plus sec. Et là, je sors la voiture. Parce qu'après, ils vont qu'on nous couper le son pour les droits audio, tu sais. Ça... Sur toute la vidéo, alors, la musique de Lopette là, non merci. Ah parfait, il commence à sortir de bonnes cailloux tout le monde. Bon point, je pense. Non mais je parle là si t'as la musique du préau. Oui yo 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 yo. C'est moi où on devient bien en ne pas se toucher. Finalement. Oh, c'est parce que ça glisse. Prends-moi si le terrain était sec là. Ah non, ah non. Ah c'est toi qui l'as fait tomber. Moi j'étais contre, tu me l'as achevé. Ah, c'est vrai en plus parce que toi comme t'es plus grand tu le vois mieux. Tiens. Fais pas le kéké avec le panneau stop là-bas. Non mais là on peut bien le faire, regarde. Viens là, on se fait là un petit... Parce que là il y a de la marge. Hein. Tu vois. On part du truc jaune là. Et après tu vises le... Tu vois le trait blanc au milieu. Et puis après faut... Bon après dès qu'on est passé là, tu ralentis. Hein. Vas-y, je te suis. Sans jouer moins vite. Ah ah, mais je t'ai dit, dès que t'es là, tu piles. Mais j'ai pilé. Mais tu piles et après, faut lâcher pour tourner. Hein. Parce que tant que tu piles, t'as aucune direction, ça c'est sûr. Regarde, mais moi, c'est qui, elle a un plat. Ah, on les voit quand même les 20 km de différence. Hein. Après, je t'ai pas en sens, hein. Il y en a un qui va passer, ça va lui faire drôle. Oh, oh, oh. Colin McCrash. Caramba, j'ai rien. Ouais, mais il est juste coulé. Oh, bah c'est oh la vache, ça c'était beau. On fera un beau ralenti. Tout est en place, c'est bon. Hé, hey, tu viens de cramer mon ventilo. Oh moi, hey, je peux remettre en direction neutre. Oh la vache, comment elle a décollé. Mais c'est moi qui ai zigzagué de toute façon. Attends, t'as mis juste la patate au moment où j'ai décalé. Attends, faut enlever l'éclipse. C'est plus simple. Ah, t'as tourné un clipse. Ouais, je t'en redonnerai, j'en ai des noirs. Non, 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 j'ai toute une boîte de sang. D'accord. Je la commande, c'est la commande. Oh, oh, oh. Ah, il a morflé, lui, hein. Oh, voilà, Dios. Bon, l'aileron est aiguisé, maintenant je vais aller plus vite. Et... Génial. Ben, moi, je suis content que la tienne n'a pas décollé. Ah, si, elle a décollé, mais elle a posé. Oui, justement, mais je t'as pas fait de tonneau, quoi. Ah, mais c'est parce que c'est plus court, elle. Parce que la King Motor ça me dérange pas, en plus j'aime pas la carrefour donc. Non c'est les couleurs là, c'est bizarre là. Bleu, vert, je sais pas quoi là. On dirait une boîte de Buitoni. Sérieux. Je roule avec un paquet de nouilles. Oh ça, oh celle-là je crois qu'on va la faire. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on voulait rouler avec des cartons, non? Ouais. On met une boîte de Barilla sur la voiture. On a juste sorti les roues. Oh, maintenant, pour quelques unes pour la Félène. Attention, le tacleux, ça ira très bien.
Ouais. On fera une voiture entièrement sponsorisée par les fabricants de boîtes. On mettra des briques UHT pour faire les joints de diff. Et des boîtes en carton pour faire la carreau. Ah non. Ah ah. Ta faute là, tu m'as donné la direction. Ça y est, il est traumatisé du crash. Eh, je suis content, les plastiques ont tenu. C'est que le Radix, j'aurais claqué un porte-fusée là. Heureusement que j'ai pas tout arraché d'un coup. Ah. Moi je pensais que t'allais partir plus vite déjà avant, c'est pour ça. Bah moi vu que t'étais devant, j'ai pas tout de suite accéléré, tu vois, je te laisse un peu d'avance. Bah non, vu que je suis plus lent, faut passer à côté direct. Mais je vois rien tellement loin, parce que je passe à côté. J'ai pas arrêté de même en fait. Ah ouais, celle-là en plus on pourra bien en être face en plus. On pourra zoomer. Fais le ralenti. Ah, non. Ah mais là, toi c'est fini hein. Les packs durent trop longtemps pour toi. C'est comme si on était au troisième physiquement. On va pas racheter du 9000, quelle idée. Ah, ah, ah. Ouais mais franchement, je pense qu'avec un pack 9000 là-dedans, t'es tranquille pour la matinée. On se mettra des chronos à 15 minutes. Comme ça, on s'arrête toutes les 15. On s'arrête toutes les 15 minutes et je pense qu'il y a moyen de faire 3 sessions de 15 minutes avec le pack. Ouais, c'est 4 minutes, ouais, 15 minutes déjà. Ouais, justement. La course est déjà, ouais. Bon, au moins deux fois quoi. On fera au moins deux runs quoi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai, elles vont pas trop chauffer. Il y a un truc par terre, je vais aller voir si c'est à moi. Ouais, juste là, un truc noir au milieu qui est tombé, là, que je suis passé. Ah oui, bien sûr, un mais. Ah, c'est un gras, c'est un caillou. J'ai dû. C'est bon. Aïe. Je sais pas si je l'ai en vidéo, j'ai pas de ça. Ouais, l'angle est grand quand même. Là, ça y est, Bill, il va prendre son X-Max. Ouais, il a vendu. Il est tout vendu, ouais. Il a tout mis sur le bon coin. Je me suis dit à un moment il va vendre le gamin. Il vend des chaussures, des poussettes. Ah ouais? J'ai reçu une mail avec la facture de tout ce que j'ai vendu l'année dernière. Ah ouais? Donc maintenant, avez-vous vendu via le bon coin? Ouais, mais quand tu fais ton compte sur le bon coin, tu mets juste mail. Bah, ouais, tu envoies ton mail, c'est ce que tu es censé déclarer. Ah ouais, mais donc tu peux faire 12 adresses mail. Ouais, c'est voilà, super, super efficace le truc quoi. Ouais, t'es même pas ta carte d'identité mienne. Hein. Ah, la française. Ouais, apparemment, Vinted, c'est pareil. C'est toi qui vends les fringues. Ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, avec les fringues, il y a une méga arnaque. C'est que les mecs, ils achètent les fringues neufs chez les fournisseurs directement. Et ensuite, ils les vendent comme au cas sur le bon coin. Bah oui, il y a pas besoin de papier. Et du coup, comme tu déclares, ça leur permet de voir aussi si tu vends 10 fois le même article, bizarrement, tu vois. Ouais, mais c'est moche parce que c'est des trucs qui sont à toi, tu vois. Tu les as achetés, tu as un CS bébé, les trucs que tu les as utilisés. Tu les revends pas cher pour aider quelqu'un et après, ils veulent encore te taxer dessus. Donc, c'est de l'argent que tu as déjà dépensé, ils te retaxent dessus. Tu t'es déjà fait bouffer 20% sur la gueule et c'est bon, tu t'as encore existé avec les impôts. Bon, après, je pense qu'il y a une limite, non. Faut vendre, je sais pas combien, hein. Bah écoute, tu peux me réclamer, tu peux me déclarer 80€. Ah ouais? Tu dois rajouter 80€ sur ta déclaration? Bah c'est ce que soit disant, j'aurais vendu l'année dernière avec mon adresse, une de mes adresses. Ah non, mais c'est pas le total que tu dois mettre, si? Non, non, après, mais faut que je déclare aux impôts. Ah, dans autre revenu? Dans autre revenu. Et en fait, après, t'es taxé à 2-3%, je sais plus comment. Bon, enfin, si t'as plus le droit de vendre ton matos au casse quand même, ça craint quoi. Bah, c'est ça. Bah là, ça va trop loin, bientôt ils vont calculer la surface de ton toit. Ils vont dire quand il pleut, t'attends un tendon d'eau sur le toit qui coule dans l'égout, tu dois payer pour le recyclage.
t'as une cuve de récupération de puits, t'as déjà une taxe qui est pour ça, mais elle n'est pas appliquée par les communes. Ouais. Un salopio. Ah, ah tiens, pour la peine, c'est ta faute. Ouais, tu veux bien te concentrer, nouveau. Oh là 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 là. Continue à rouler sinon ça refroidit trop. C'est pas ce que tu voulais me faire avant. Ah, 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 salaud. Je voyais déjà le cône sur le parking du là-bas. Il faut qu'on fasse sur le compresseur, c'est les clapets. Avec un micro-cerveau d'hélicoptère. C'est un Y avec les gaz. Ah! Allez, bouille, Tony! Laisse pas faire, prends le paquet de 40 millito. Je vais t'appeler Cambly. C'est Cambly qui a une écriture orange dorée, non? Cambly, le petit biscuit à la Suisse. Oh, purée. T'as vu, y'a le lapin qui est passé devant toi. Ah la vache. J'allais appuyer en plus, hein. J'ai pas eu le temps de freiner, mais j'ai eu le temps de lâcher les gaz. Ah là-bas c'est mouillé, hein. Ouais. Ça c'était beau ça. Le petit croche-patte. Tiens, voir comment ça se passe avec la transmission de la Rowan dans le temps, mais chaque fois ici. Hein. On verra dans 10 pas quand on va ouvrir pour voir si ça part pas en mulch les bifs à l'intérieur. Oh là là.
Eh, c'est que le deuxième pack, c'est censé être le meilleur, hein. On a fait 2 minutes de belles vidéos, c'est fini. Ça suffit, on fera en boucle. Ah ouais, il veut me toucher le salopio, je l'ai vu. Là, franchement, il manque la caméra, ah ouais. Eh, mais oui, mais c'est ce que je vais faire. J'ai la GoPro 6 là que j'ai reçue. Non mais justement, mais je peux filmer avec la 6 sur la tête. Parce que la stab de la 6 elle suffit. Il y a déjà un espèce d'hypersmooth. Juste pas aussi poussé. Donc je mets la 6 sur la tête et je mets la 8 sur la voiture. Qu'est-ce que t'en dis? Mais c'est toi qui te tapes les montages. Hein. Ouais, c'est ça en fait moi qui m'ennuie sur les trucs. Ouais, surtout faut regarder les deux vidéos. Si t'as fait 20 minutes, faut regarder déjà 40 minutes de vidéo. Faut les poser l'une sur l'autre. Faut couper la bonne scène pour mettre la bonne embarquée. Sauf si tu veux la rajouter derrière. Je veux me mettre en encart. Ah, ouais, mais t'es pas. Ouais, oui. Ok, ouais. Parce que t'es parti vite fait pour 3 heures de montage. Hein. Ah, coupure. Tu vois, là, on allume un peu plus, tu vois. Ah, coupure totale, ça, c'est moche. Je vais aller observer mes noix. Bon. Ah, il y a un clip qui est parti. Deux. Alors, batterie tranquille, tiède. Vario est tiède, même sans ventilo. Moteur, là, il commence à chauffer. Ouais. Là, j'ai arraché plus, tu vois. Et les noix. Les noix centrales. Alors, on a une petite trace sur les noix elles-mêmes, mais pas encore sur l'axe. Et encore, c'est ridicule. Mais ça serait bien que ce soit le. Que au moins la partie différentielle soit la même que Hot Bodies, tu vois. HPI. Bon après, comme dit, ça fera une grosse différence quand on sera en train de rouler sur une piste qui a du grip. Hein. Parce que j'ai les super soft, regarde, je les use même pas. Tellement ça patine. Ouais. C'est fou. Hein.